Une octogénaire a été sauvagement agressée sous les yeux de sa fille, lourdement handicapée, pour quelques centaines d'euros. Hospitalisée, elle souffre de multiples fractures. La vieille dame a été agressée alors qu'elle sortait de ce casino. De retour sur les lieux, Manu entend bien retrouver les auteurs du vol. C'est tellement facile d'agresser une octogénaire et sa fille handicapée. Là, ils ont démontré tout leur courage, là. Mais pour les policiers canois, l'enquête s'annonce difficile. Alors là, on a une caméra ici qui est juste en face du casino, là, au bout de cette perche. On a une un peu plus loin, là-bas. Malgré les nombreuses caméras qui balayent le quartier, l'agression n'a pas été filmée. Pour tenter d'identifier le ou les agresseurs, les enquêteurs vont se tourner vers d'autres vidéos, celles fournies par le casino lui-même. Des heures d'images que Marie a patiemment décryptées. Et voilà ce qu'elle a découvert. Ce soir-là, quelques minutes avant l'agression, on aperçoit l'octogénaire et sa fille en train de jouer. Ce qu'elles ignorent, c'est qu'elles sont observées par cet homme, en bas à droite de l'image. On voit un individu qui s'intéresse particulièrement à cette victime et à sa fille, qui les suit dans le casino. Lors de chacun de leurs déplacements, la retraitée en veste blanche et sa fille handicapée sont suivies par le même homme. Assise à la roulette, la lumière devant elle indique qu'elles viennent de gagner le gros lot. Alors qu'elle se dirige vers la caisse, l'homme se lève à son tour. La vieille dame récupère ses gains, 452 euros précisément. Donc là, il est 21h52 et ma victime se fait agresser à 22h sur la voie publique. À la sortie du casino, les deux femmes sont toujours suivies par le suspect. Alors cet individu est-il celui qui, quelques instants plus tard, va agresser l'octogénaire? Marie en a la conviction, mais elle a besoin de preuves. Alors elle prend la direction de l'hôpital où la retraitée a été admise, dans un état grave. Ouais, donc on est dans le service orthopédique, je ne sais plus le numéro de la chambre. Avec son collègue, elle veut lui soumettre une photo du suspect. Mais Marie va vite se rendre compte que l'octogénaire est encore plus mal en point qu'elle ne le pensait. Dans sa chambre, Eugénie n'a pas encore été opérée. Vous voulez qu'on appelle une infirmière? Marie doit patienter quelques minutes, le temps que la douleur retombe un peu. Donc on est venu vous voir pour essayer de retrouver votre agresseur, en fait. On va vous montrer des photos. Et voilà, vous allez nous dire si ça correspond à quelqu'un que vous avez pu voir. C'est un beau dessin. Est-ce que ce monsieur vous dit quelque chose? Prenez votre temps. Le vol s'est déroulé si vite que mère et fille ne peuvent pas affirmer qu'il s'agit bien de leur agresseur. On va chercher, on va tout faire pour le trouver parce que c'est vraiment dégueulasse cette agression. Une déception pour Marie et son équipier. Allez, bon courage, hein, bon courage. Mais qui ne sera que de courte durée. Car trois jours plus tard, alors que Manu entame sa patrouille sur la croisette, il reçoit un appel. Au bout du fil, la sécurité du casino. Le suspect est de retour dans l'établissement. Ok, ben là j'arrive, hein, je suis dans le palais, hein, j'arrive. Mais tu le lâches pas des caméras, hein, ok? Tu le suis non-stop. Alors qu'il s'apprête à sortir du casino, l'homme est stoppé par un vigile. L'interpellation se déroule en douceur. Mais le policier ignore encore à qui il a affaire. Par précaution... Je peux me mettre derrière là. Il emmène l'individu à l'écart pour une palpation. Objectif, s'assurer qu'il n'est pas armé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Oui. Je t'expliquerai. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Hein? Je vais t'expliquer, t'inquiète pas. Mets-toi comme ça et tu bouges plus. Direction le commissariat. L'homme va devoir expliquer pourquoi il suivait les victimes à la trace. Ah, ici. Je vous laisse vous installer là, ici. Arrivé à Cannes il y a 6 mois, ce jeune bulgare sans emploi se dit amateur de casino et gros joueur. Est-ce que ce soir-là, il a gagné? T'as vu le vecher spécialiste? Tam? Da. Da, mai spécialiste, ne pomme, un gubal, spécialiste. Je me souviens pas trop, peut-être j'ai gagné un petit peu, je n'en suis pas sûr. Il pense qu'il a gagné à peu près, mais il n'est pas sûr à 2000 euros. Environ. Pourtant, le soir de l'agression, les caméras ne disent pas la même chose. Arrivé à 21h19, l'homme ne va jamais rester bien longtemps en place. Il passe de salle en salle, sans jamais toucher aux machines à sous. Jusqu'à sa sortie 40 minutes plus tard, il n'est pas vu une seule fois en train de jouer. Vous avez passé beaucoup de temps, vous savez. Oui, moi, tourner tout, moi. Ici, il y en a pas si pour ça. Ouais. Okay, c'est bon. Face à l'évidence, l'homme se perd dans ses explications et livre une deuxième version. Je crois que j'ai joué. Je crois que j'ai joué, mais je n'en suis pas sûr. Mais Marie veut surtout l'interroger sur les raisons qui ont pu l'amener à emboîter le pas de la vieille dame et de sa fille. Il la suit à la sortie du casino. Dans un délai très court, et la personne se fait agresser, c'est une coïncidence. Il faut qu'il m'explique. Gavno se spadeni, niamate ko. C'est peut-être une coïncidence ou. Ah, ni kogo ne sam izvršio prestup. Non, mais je n'ai jamais fait quelque chose en France. Je vais téléphoner donc au parquet de Grasse. Je vais faire le compte rendu. Allez. C'est le magistrat qui décidera de son sort. L'homme est conduit en cellule de garde à vue, mais pas pour longtemps. Faute de preuves et d'aveux. Le parquet préfère le relâcher. Persuadé qu'il est bien impliqué dans l'agression, les policiers poursuivent leur enquête. Et pour prévenir toute récidive, Manu a trouvé une parade. J'ai une grosse colère. Il faut que j'arrive à maîtriser pour travailler correctement, efficacement et professionnellement. Concrètement, ce qu'on a fait pour l'instant, c'est diffuser la photo. C'est la seule chose qu'on puisse faire. Diffuser la photo du suspect dans les casinos, les établissements de jeu. Désormais, si le suspect réapparaît dans l'un de ces établissements, le policier sera immédiatement alerté.